Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne TGS Rockstar Club sur GTA Online pour parler des nouveaux avantages du nouveau mois d'abonnement à GTA Plus. Et dans cette vidéo, vous allez avoir tout simplement un récapitulatif complet en détail de tout ce qu'il faut connaître autour du mois d'abonnement GTA Plus qui va donc être tout ce mois de septembre jusqu'à mi-octobre. On est donc parti et on démarre comme chaque mois. De toute manière, dès que vous prenez un abonnement GTA Plus, vous avez 500 000 GTA dollars qui vous sont offerts avec l'abonnement. On poursuit avec les avantages du The Vinewood Car Club. C'est donc un entrepôt qui est situé ici. Je le montre parce que le mois dernier, il y en a beaucoup qui me demandaient encore où c'était. Voilà. Et donc dans cet entrepôt, vous avez 10 véhicules exposés, dont un qui est offert comme chaque mois avec l'abonnement GTA Plus. Et les autres véhicules auront donc, les 9 autres véhicules, auront des promotions d'au moins 20% tout le mois de cet abonnement GTA Plus. Et ce n'est pas tout, puisque ces véhicules, vous pouvez directement les essayer gratuitement, comme si c'était des véhicules de location. Voici donc les 10 véhicules de ce mois-ci au Vinewood Car Club. On va donc démarrer par la gauche avec la Karine S95. Vous avez ensuite la Benefactor Krieger, la Pegassi Oppressor, d'accord. Vous aurez aussi la Impound Deluxo. On a ensuite la Enus Paragon R, la Coil Raiden, le D-Class Granger 3600 LX, le Feister Comet S2 Cabrio, ainsi que la Overflood NTT MT. Et pour terminer, le tout nouveau véhicule qui est offert ce mois-ci avec l'abonnement GTA Plus au passage, comme je vous l'avais dit, ce sera donc la Bravado Outring Hellfire. Voilà, donc ce tout nouveau véhicule est maintenant disponible chez Southern ou directement ici. Pour la récupérer, il faudra vous faire flèche de droite. Vous pouvez soit la tester, la conduire donc, ou la récupérer gratuitement. Voilà. Ensuite, rendez-vous chez soutien-sandra-superauto.com. Vous aurez la possibilité de récupérer la Bravado Outring Hellfire gratuitement cette semaine au lieu d'un prix de 1 810 000. Ce mois-ci, avec l'abonnement GTA Plus, vous pourrez récupérer deux nouvelles couleurs caméléon. Une couleur caméléon pour la carrosserie et une couleur caméléon pour les jantes. On démarre par la nouvelle couleur caméléon pour la carrosserie, et ce sera donc la Flip Orange Bleu, qui est donc celle-ci. Même si je vois pas trop le bleu, honnêtement. Voilà, elle est plutôt sympa en tout cas. Et si vous voulez la récupérer, bah, il faudra évidemment l'abonnement GTA Plus pour cette peinture carrosserie. La couleur des jantes, vous aurez donc une nouvelle couleur qui sera mise en place. Et ce sera la perle cuivrée anodisée, qui est vraiment sympa pour le coup. Donc voilà, cette toute nouvelle couleur de jante sera offerte ce mois-ci avec l'abonnement GTA Plus. Ensuite, ce mois-ci, avec l'abonnement, vous aurez aussi la possibilité de récupérer ce motif rare et uniquement récupérable avec l'abonnement GTA Plus. C'est donc le motif 46 PSNQS, le numéro 11 dans la colonne des motifs. Ensuite, ce mois-ci, vous aurez 3 items offerts disponibles dans les hauts spéciaux. Il faudra voir dans hauts spéciaux puis anniversaire de GTA V. Vous aurez donc le sweat Seigneur de Los Santos et le t-shirt réserve fédérale de San Andreas. Vous aurez aussi dans les t-shirts et hauts spéciaux et dans l'onglet série le t-shirt Ranger de l'espace. Ce mois-ci aussi, profitez de pas mal de réductions sur le site doctis.com sur pas mal de bateaux. Donc le Longfin, ça sera en réduction. Ils vont donc passer tous à moins 30% hein, ce mois-ci avec l'abonnement GTA Plus au passage. Donc vous aurez aussi le remorqueur à moins 30%, le Lampadati Toro, le Speeder, le Dinghy. Vous aurez aussi le Marquis, le Jetmax, le Squalo, le Tropic et le Suntrape. Mais pas tout ce mois-ci. Ensuite, rendez-vous chez warstockcashandcarry.com où vous aurez ce mois-ci avec GTA Plus le dinghy armé à moins 30% qui passera à 1 295 000 dollars. Profitez aussi de moins 30% sur le bateau de patrouille Kurtz 31 qui passera à 1 551 375 dollars. On n'a pas fini avec Warstock. Concernant votre Kosatka, vous aurez la possibilité de mettre les missiles guidés gratuitement sur votre Kosatka ce mois-ci avec GTA Plus. Si aussi avec l'abonnement GTA Plus, vous irez dans le menu pause en ligne, joue activité créée par Rockstar et mode rivalité, vous aurez l'activité assaut sur Caio Perico qui sera en double RP et double dollar tout ce mois-ci.
Ce mois-ci, avec l'abonnement, vous pourrez aussi profiter de bonus en GTA Dollar et en RP sur les malles cachées. Il y en a 10 autour de la map de Los Santos et de San Andreas plutôt. Et elles seront doublées cette semaine. Donc au lieu de gagner 10 000 par malle, vous gagnerez 20 000. Ce mois-ci, avec l'abonnement, profitez aussi d'un bonus de 2 fois GTA Dollar et RP sur tous les véhicules blindés, donc tous les camions blindés que vous pourrez braquer et qui vont spawner aléatoirement sur la map, sur le online. Si vous en croisez, ça vous rapportera le double en dollars et en RP si vous les braquez. Pour terminer avec les activités en mode libre ce mois-ci, tous les contre-la-montre HSW seront avec un bonus de 50% en GTA Dollar et RP, c'est-à-dire que vous toucherez 50% de la somme. Donc c'était 254 000, donc ce sera plus de 300 000 que vous toucherez par contre-la-montre battue chaque semaine sur GTA Online avec l'abonnement GTA Plus. Donc autant vous dire que ça, c'est quand même un bon bonus qui fait plaisir. En tant que PDG avec l'abonnement GTA Plus, rendez-vous dans le menu Interaction où vous pourrez profiter des compétences de PDG gratuites tout le mois. Et ce n'est pas tout, puisque les véhicules de PDG, vous pourrez aussi les commander gratuitement tout ce mois. Concernant l'abonnement GTA Plus, vous avez aussi la possibilité tout ce mois-ci de profiter du Fast Travel avec le taxi Downtown Capco. Pour cela, il faudra donc appeler Downtown Capco qui vont vous envoyer un taxi là où vous êtes situé. Une fois le taxi sur place, vous avez simplement à monter dans le véhicule, à l'arrière évidemment. Normalement, ça vous le met tranquillement. Et ensuite, vous avez donc la possibilité de choisir la destination que vous voulez. Alors évidemment, les destinations pour le fast travel, c'est seulement sur les lieux importants. En passant avec la touche 3, donc ça vous coûtera 0$, hein, c'est totalement offert. Ce fast travel sera activable toutes les 5 minutes avec l'abonnement GTA Plus. Sans abonnement GTA Plus, il faudra attendre à chaque fois 48 minutes. Avec GTA Plus, comme chaque mois, vous avez la possibilité de voir le spawn directement du gun van. Donc quand vous vous connectez à GTA Online et que vous spawnez sur la map, vous aurez directement l'icône du gun van affichée sur la map. Ensuite, on va aller voir vite fait ce qu'il y a au gun van cette semaine. Vous pouvez aussi profiter évidemment avec le gun van de promotion sur les armes, les projectiles et les protections par balles. Donc en armes, on a pied de biche, destructeur de l'infini, fusil à impulsion, up and atomizer, désingator infernal, lanceur pyrotechnique, la mitraillette tactique, le pistolet mitrailleur, la carabine et le lance-roquettes. Ensuite, dans les projectiles, vous aurez la grenade, le molotov et la bombe artisanale. Et enfin, dans les protections pare-balles, vous aurez des promotions sur chacun des protections. Mais cette semaine, elles seront remplies avec l'anniversaire. Enfin, pour conclure cette vidéo, je vous parle vite fait, parce que ça fait partie de l'abonnement, des 15% d'argent en plus avec le GTA Plus quand vous achetez une char card. Donc par exemple sur la Mégalodon, quand vous payerez la Mégalodon 75 euros, ça fait quand même cher, vous obtiendrez donc 10 millions de GTA dollars plus un bonus de 15%, c'est-à-dire 1 500 000 dollars. Encore une fois, je ne vous indique pas d'acheter des char card ni de prendre l'abonnement GTA Plus. Je suis juste là à titre d'information pour vous informer autour de l'abonnement et quelque sorte pour faire en sorte que si l'abonnement ne vous intéresse pas, vous ne le preniez pas. C'est pour ça que la vidéo est mise en place. Et pour conclure, vite fait un petit mot sur cet abonnement GTA Plus de septembre à octobre. Bah, comme d'habitude, hein, on est maintenant à 3 mois de la sortie du précédent DLC. 3 mois plus tard, bah évidemment, quand on a la sortie du DLC, le premier mois est top, le deuxième mois est plutôt pas mal et après on a toujours un peu de creux. C'est malheureux parce que bon, bah on paye quand même, donc c'est ça qui est peut-être un petit peu à mettre en bémol, on va dire, dans cette vidéo et dans ce mois du GTA Plus de septembre à octobre. Il n'y a pas grand chose ce mois-ci pour se faire de l'argent, donc le mieux, si vous voulez vous faire de l'argent, bah, c'est de faire les contre-la-montre chaque semaine HSW, donc vous allez en faire entre 4 à 5 ce mois-ci, et bah, de faire l'activité sur Caillou Perico, sur Caillou Perico, pardon. Parce que ce seront les seuls moyens de se faire de l'argent assez facilement. Parce que même les malles cachées, honnêtement, sous l'eau, c'est une perte de temps, je trouve. Et puis les spawns des camions blindés, vous en aurez pas tous les jours. Ou alors vous aurez de la chance. Et encore, même si vous en avez tous les jours, vous n'allez pas gagner énormément d'argent avec ça.
Donc c'est un petit mois, on va pas se mentir. Le seul truc qui est intéressant, bah, c'est l'ajout de peinture. Moi je trouve que ça c'est cool. Les peintures Caméléon, toujours ils en rajoutent un petit peu et ça rajoute toujours un petit peu de moyen de personnaliser sa voiture. Mais voilà, il n'y a pas de beaucoup de positifs à retenir ce mois-ci en tout cas. Mais on le sait, il y a toujours une période de creux depuis l'arrivée de ces abonnements GTA Plus. Il y a toujours cette petite période où il y a moins de choses intéressantes. Mais ça reviendra un mois avant la sortie du DLC de décembre, avec la sortie du DLC de décembre, et puis après le mois d'après la sortie du DLC de décembre, ce sera aussi un mois intéressant, et puis après ça va diminuer au fur et à mesure jusqu'au prochain DLC, quoi. On a l'habitude. Voilà les breakers, c'est donc tout pour ce nouvel abonnement au GTA Plus. J'espère que ce résumé vous aura plu et qu'il vous aura bien informé. Évidemment, je compte sur vous pour lâcher le pouce du soutien, toujours très important, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Pour pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club, il y en aura une nouvelle demain, samedi, dimanche, lundi. On va renchaîner pas mal les vidéos cette semaine, donc restez connectés. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Encore merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club. Ciao!